mieux la langue de bois parce que la langue de bois est stérile. Et parler doit rester vivant. Il ne faut pas la tuer, il faut la chatouiller, la langue de bois. Souvent, nous, communicants, c'est notre langue vivante 1. J'espère qu'on en fera une langue morte. Un moment de solitude quand j'ai vu des regards se baisser dans un comex. Elle était tellement de bois que personne n'a parlé. On m'a demandé, comme directeur de la com, de, comme on dit entre guillemets, produire des éléments de langage. Pas du tout. La com interne est là pour chatouiller la langue de bois. C'est un défi. Je crois qu'il est possible et c'est notre mission. Que depuis le docteur Freud, on sait qu'on n'est pas transparent à soi-même. Non, j'ai pas envie, je veux garder un petit jardin secret, la séduction est importante. Dans tout ça, ou dans autre chose, il y a le meilleur et il y a le pire. Si on est langue de bois, on est langue de bois amplifiée dans les réseaux sociaux. Solution individuelle. Moi, comment je me change? Solution collective. Comment je travaille avec mon équipe? Comment je travaillais avec les managers. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Parole, 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 parole. Avec ma langue. Je suis là et vous aussi, vous serez là. Même si ça fait un peu langue de bois, je compte sur vous.